What's up guys? Bienvenue encore dans une autre vidéo nous portons pour aujourd'hui. So, nous quand aujourd'hui son l'autre bagaille. OK? So aujourd'hui nous pral voir comment qu'on capable créer un Shopify website. Bagaille nèg de va charger nous $3,000, $4,000, $5,000. Aujourd'hui nous pral apprendre gratis. OK? So pral ba nous étape par étape qui sont besoin. Comment qu'on capable créer? Est-ce que gon série de emergency? Est-ce que gon série de nécessité que au besoin? Tout ça n'a rien pour nous montrer dans vidéo ça. C'est ça que fait nous dire. Si toutefois vous tombez sur channel ça, pas oublier cliquez sur petite cloche là en bas avec petit bouton rouge là pour capable abonner à channel là et puis recevoir notification chaque fois nous upload yo vidéo. Et vous même qui connaissez déjà, nous connaissons déjà, so on pas même besoin d'inom so. Je dis à nous parler montrer comment on capable créer un website Shopify complet, OK? Même j'aime te montrer nous avant dans WordPress, moi te montrer nous comment qu'on capable créer un website dans WordPress qui était aussi facile pour tout le monde, OK? Ou capable aller dans channel nous ou bien garder en l'air là n'a mettre petit en notification pour ou capable à regarder vidéo ça si toutefois ou t'as besoin apprendre comment pour créer un website dans WordPress. Et gens que nous toujours dit nous encourageons si on nous fait commencer avec business ou capable commencer avec WordPress parce que WordPress c'est une plateforme qui est gratis ou pas pour payer un goût et tous les outils que nous avons utilisé pour nous montrer comment pour créer un website yo toutes ces bagages gratis que yo y est. Mais contrairement avec Shopify ou bien pour payer par mois et ou bien pour payer un paquet d'applications et chaque application ça c'est pas une seule fois payer mais c'est chaque mois ou bien pour payer application ça qui donc si vous faites cap commencer ou pas un gros budget ou capable aller directement pour WordPress. So je dis à nous pour montrer où Shopify. Shopify c'est pour monde qui gagne une connaissance avancée ou bien c'est pour monde qui gagne un budget qui ont un pire par rapport avec WordPress. So, quel que soit genre voulez là, n'a montre comment que vous capable faire. OK? So, Shopify. Bienvenue dans Shopify vidéo nous aujourd'hui. Tout ça ou ta doué connait de Shopify. So, aujourd'hui là ou pour l'apprendre. Tout ça ou ta besoin connait de Shopify, eh ben nous va montrer li aujourd'hui là même. OK? So, on nous garder. Qui ça qui Shopify là? Shopify c'est une plateforme qui permet de créer un business online, organiser produits, accepter paiement, vendre et puis track chaque grain de vente que vous faites. Même genre avec WordPress, pas vrai? So, c'est même plateforme, c'est même système, OK? Pas grand-rien qui différent, c'est ça qui différencie, c'est juste et forme, mais c'est même service là vous gagnez, c'est même bagaille que vous faites. All right? So, il permet que vous êtes capable de track order, il permet que vous êtes capable d'organiser les produits, il permet que vous êtes capable d'accepter le paiement et puis faire la vente, gens qui sont capables. OK? So, dans Shopify, vous n'avez pas besoin de gagner un host. C'est ça qui fait la différence là. Dans Shopify, vous n'avez pas besoin de hosting. Gens que nous te montrons dans WordPress, vous avez besoin de un hosting. OK? Mais pas oublier tout, gens que nous te dit dans WordPress là, login hosting là, vous êtes capable de créer plusieurs websites en dedans. Mais dans Shopify, ou pas qu'à créer plusieurs websites dans une seule plateforme. Ou besoin de gagner plusieurs comptes Shopify si toutefois ou t'as gagné plusieurs business. Maintenant, WordPress, en de même hosting, là, ou capable de mettre 4 à 5 et des millions de websites en dedans. Parce que ou payez un seul coût pour hosting et puis ou mettez plusieurs websites en dedans. Maintenant, Shopify, ou obligé de gagner un compte pour chaque grain business. Et chaque grain compte ça yo ou bien pour payer chaque mois pour yo et application qui en dans yo en tout ou bien pour faire même bagaille là chaque mois. So na déterminer entre WordPress avec Shopify ça qui est bon. OK, so Shopify lui même lui intégré host là en dans pour capable mettre website en live. Tout website ou créé dans Shopify automatiquement connecté live après ou fin créer li. So ça veut dire le créer un compte Shopify moi va le montrer nous tout à l'heure. Li automatiquement créé yon link pour qui gagne par exemple business et point myshopify.com. Ça veut dire c'est link ça li gagne business.myshopify.com. Ça veut dire créer link ça pour par défaut. Kounya la c'est ou même qui kounya la pral gagne pour intégrer domaine name pour la kounya la qui c'est business.com
ou à en dans Shopify pour capable retirer .myshopify.com. OK? So c'est ça qui fait automatiquement créer un compte Shopify Connect. Et link défaut par défaut pour vous ensemble avec business wa. OK, domain name et hosting tout dans une seule plateforme. Ça veut dire en dans Shopify ou quand même acheter domain name nan. Mais il pas recommandé parce que en dans Shopify domain name yo vraiment expensive, vraiment cher. Un domain name capable varier de 14 jusqu'à $40 même par mois. OK, pour payer, par année pour payer. OK, so pendant ce temps te montre nous avec WordPress ou capable aller sur Google ou acheter un domain name et puis en dans avec même domain name ça ou capable connecter le dans hosting compagnon ou ca faire pour Shopify ou aller dans Google pour acheter un domain name et pour connecter dans Shopify. All right, mais comme ça tout ca tu acheter en dans Shopify si vous voulez payer lui cher. OK, so c'est tout ça que au besoin qu'on ait de Shopify. OK. So koun ya la ou konn ki sa Shopify ye ou prêt pour créer website. Mais pas oublier gens que m'te di nou, avant même que ou créer yon website, OK, ou besoin faire yon planification, ou besoin konnen ki sa ou pral mete nan website la, ki jan ou vle website la asemble, ki kategori ou pral mete nan website la, ki type de produit ki ou pral vann, about page yo, frequently asked question yo, privacy policy, refund and return. Tout page sa ou besoin genyen yo écrit et disponible pour taper yo nan website. OK? Ça c'est nan WordPress. Mais par rapport avec Shopify, Shopify kon mete yon par défaut pour privacy policy, pour refund policy. So Shopify kon mete yo par défaut pour mais là-dedans yo gon paquet bon vieux mots que ou pral besoin nettoyer pour retirer là-dedans et puis pour capable agencer avec mot pa qui c'est toujours même bagaille là ça. Et ça fait l'important que ou gagnez page ça yo disponible, OK, pour capable commencer website. OK, so kounya là nous pral entrer dans création website là. Pour créer un website pour aller sur shopify.com. OK, ou capable rentrer email ou là pour start free trial ou bien capable cliquer en l'air là pour start free trial. So m'a rentrer en fait email. OK, on changer email ça, on copier lui, so moi mettre là start free trial. So Shopify va demander pour me créer un compte, on créer et un password. OK, et puis me faire create store. Là, Shopify a créé store pour moi. Voilà. So, kounya là, li mande moi pour me font parler de moi-même, OK? Font parler de moi-même qui ça me prêt pour me vendre. Je dois mettre ou gen doit choisir une n'importe ça. Ça ou pas totalement important. Ça c'est juste quelques informations au besoin de ou même. Ou ka juste choisir n'importe. Mais comme moi même c'est play et jouer map jouer pas pour créer map. Créer c'est juste un tutoriel map. Femme ka just choisir I'm just playing around. Mais ou même ou ka mettre I'm selling just not online ou bien I sell a different system. OK, ou capable choisir dans tout ça. So I'm just quitter sous ça moi. OK. Est-ce que me voulez produit vendre produit pour dropshipping? Dit yes. Et puis mettez Facebook et Instagram. Revenu on quand mettez 0, on juste commencer. Et puis là, on a choisi catégorie que ou pral vendre la donne. Si c'est home, si c'est kitchen, si c'est fourniture, si c'est jewelry, OK, ou capable choisir quand et ça que ou choisi vendre. Son beaucoup qu'on aime juste mettez beaucoup décider. Et puis me faire next. Là, on va prendre information avec adresse ou, OK? Son bra notre information avec adresse.
OK. En bas là, il mando est-ce que son business qui est enregistré. Si son business qui est enregistré, ou capable checker case là, mais si c'est pas un business qui est enregistré, ou capable juste quitter comme ça. Mais pour faire enter my store. Et puis voilà. So, qu'on y a là ou en dans Shopify dashboard là, qu'on y a côté que on pral créer website là, côté que on pral design website là, côté que on pral ajouter produit, on pral setup tout bagay ça yo. OK? Et puis capable arriver gain accès pour vendre dans Shopify. Mais dans Shopify bagay yo pas facile. OK? Avant même que ou voye shop là live, ou obligé prendre un plan, obligé choisir un plan. OK? So, si nous gardons plan yo pour montrer nous. Basic plan li $29 par mois. OK? Mais ça va bien la donne seulement. Hein? Deuxième plan c'est $79 par mois. Troisième plan c'est $299 par mois. OK? So, les nous garder, les nous faire $29 pour pipiti. On aller dans calculatrice nous pour nous. Pour pipiti a li bam $29 par 12. Hein? Li bam un total de $348 par année. OK? Pendant ce temps $348 ça dans WordPress ou capable save li et puis ou créer un website gratis ou juste dépenser $100 là dedans seulement. Et là dépenser $100 ou gain toute feature ça. Ça c'est seulement comme ça on va le payer, c'est seulement pour Shopify seulement. Mais application qu'on va utiliser là dedans yo, c'est chaque mois yo et tout. Il y a application qui $9, il y a application qui $15, il y a application qui $10, il y a application qui $12. So, ou pral gen pour payer application ça yo par année tout ou bien par mois tout. OK? So, na déterminer toujours. So, kon y a la moyen dans dashboard Shopify là, so on pral customize theme, pral ajouter domain, pral set up payment, tout ça yo nous pral faire. On pas besoin join community. Nous pas besoin ça yo, mais pi fò bagay yo nous pral faire. En l'air à la gauche, c'est côté order, produit. Je vais vous faire une vidéo sur ça pour m'expliquer non plus. OK? C'est là où vous êtes capable de créer un produit, vous êtes capable de créer catégorie, tout, collection, vous êtes capable de créer tout l'autre bagage. Ça, c'est analytique, application. So, au moment même que vous créez un website en Shopify, vous faites créer un compte. Premier bagage, vous avez besoin pour installer, vous avez besoin d'installer une application qui est Oberlo. OK, Oberloa c'est application qui permet que ou capable intégrer et produit ou voyer produit dans website là. So, ou bien tout capable ajouter produit manuellement. Te montre nous dans WordPress comment on capable ajouter produit et ben dans Shopify tout capable ajouter produit manuellement. Ou bien capable cliquer sur find products et puis il y a baou là c'est quelque blog quelques informations là-bas ou comment qu'on capable joindre produit pour vendre nous capable lire mais on a besoin installer application qui relé Oberlo Chrome extension. OK, on installe li ou cliquer sur li add to Chrome add extension et puis voilà qu'on a l'offin créer ou fin installer application Chrome extension là on va le besoin installer app là tout en temps Shopify store là on va aller là on clique dans apps on clique sur Oberlo OK on clique sur add app install app. Alright, so kounya la, il va demander créer un compte Oberlo. Ou capable créer là dans partie ça là tout, ou capable créer là tout dans partie ça. Second compte déjà capable faire login with account ou bien support qu'on gagne créer un new account. So,
na quitter ça passer na faire en dans Shopify na create a new one na prendre email là même email nous te gagné hein na prendre password right create free account OK ça kounya là nous en dans Oberlo. Alright, so tout ça yo nous pral gagner pour nous compléter étape ça yo avant même que nous capable vendre. OK, so nous get a créer compte là, kounya là nous pral ajouter premier produit. Qui est fait Oberlo lui-même li gagne. Lo aller na AliExpress. OK. Kounya là on dit par exemple pour un bel grand produit ou ta même vendre. On aller pour kitchen. Right, source by orders. OK, on dit nous on produit nous ta remen vend dans AliExpress. On produit nous ouais qui vend chaud et puis nous ta remen vend grand produit ça. Par exemple ça, ouais, automatiquement moi hand over souris à sous produit à, il marqué add to Oberlo. Alright, so eh ben c'est Oberlo ça qui peut permettre moi l'aime cliquer sur add to Oberlo, les mal dans dashboard là, la paraît dans import list moi là. OK, la paraît dans import list là. La. So comme ça tout en dans import list là, pour capable ajouter produit par link là, par exemple si me prendre link ça, moi copier li, mal dans Oberlo et puis me fait add par URL et puis me paste li là, fait add product. L'app ajoute pour moi dans import list moi. OK? All right? So, comme ça tout moi t'es capable joindre produit directement en dans Oberlo. Cliquer sur find products. Et puis, moi capable choisir en liste produit que Oberlo lui-même t'a metté là pour moi. Bon, moi si t'as fait kitchen, moi capable joindre produit en dans Oberlo tout. OK. Ouais, ça son grand produit le vend en pile, on capable ajouter li dans import list. OK. So, c'est comme ça ou utiliser Oberlo pour capable ajouter produit dans store là. Si n'aller dans store là, on capable même pas gagne aucun produit là, right? So, nous va l'ajouter un grand produit en dans store avec Oberlo. All right? So, tout produit ça produit saturé, dropshipper à vendre. OK, et ça fait l'anti j'en vient difficile connait là pour nèg faire comme dans dropshipping parce que nèg a vend toute qualité produit par exemple quand on kitchen organizer. Ouais. Ah, ça ca font bel grand produit. OK. So, il y a trois variants là-dedans. On garde ça pour nous. OK. On pas tellement même vendre produit qui charge variant. So, juste pour éviter nettoyage, on paquet clean 3-4 variants li bon, mais pile variant yo, pile couleur, pile bagarre pas besoin bay ça. OK. So, on nous ajoute produit ça. Par exemple, là les malé en bas là n'a pour yon petit bouton qui paraît en bas là qui marqué add to Oberlo. So, petit bouton ça, on capable cliquer sur lui ou bien on capable ajouter directement dans Oberlo là. Cliquer add to import list. Et puis li getan mettez le dans import list là pour moi. Ouais, pour dire getan là. OK? So, comme ça tout me doit cliquer là add to Oberlo et puis là ajouter li pour moi, ouais. Il dit que pour dire getan ajouter en l'air là. OK? So ça c'est toute façon ça est capable ajouter produit dans Oberlo. On fait un troisième pour moi. Un bel couteau. Ma cliquer sur add to Oberlo en bas là. Voilà, hein? Et puis les malin dans import list moi connais me supposé gain 3 produits. Ouais, mais un, mais 2, mais 3. So produit ça yo dans Oberlo, mais yo poko nan store. All right? But ça me toujours fait ou capable modifier produit yo dans Oberlo avant même que ou mettez dans shop là.
Mais comme ça tout, ou capable de quitter et puis ou ajouter tout en seul coup. Parce que toute description ça, c'est un bon vieille description dans AliExpress. So, long client venu dans website ou les gens de description ça, il peut pas acheter dans website ou. OK? So, ou capable choisir quantité image ou voulez qui pour aller et puis ou quitter reste. Ça me toujours fait me toujours juste choisir quantité image et puis me sélectionner et puis moi fait tout import selected. Et puis il dit est-ce que moi voulez publier trois produits ça, voyez trois produits ça dans Storm dit yes of course. Sont capable voir dans draft là c'est au bouillon ou bien capable faire lui active. Comme mon coco compte Storm tout quitter lui active. Import as active. Ouais. OK, qu'est-ce envoyé pour nous? All right. So qu'on y a là les mal dans store et puis moi refresh. Voilà. So, moi getan gagné tous les trois produits paraît. OK? Sauf que le bam zéro in stock, I don't know why. Regardez pour moi comme ni pour finir. OK, so produit yo getan nan store disponible nan store avec même vieille image yo, même vieille et bagay ship from China, ça on va le modifier, on va le retirer tout. OK. Et nous va le mettre catégorie qui c'est collection. Nous va le mettre côté nous voulez pour paraître, n'a montre comment mettre tags. Et puis template là toujours été default, OK? On va gagner pour faire dans ça. Et puis ou capable commencer edit modifier en page dans Overlook page produit. OK, so oui, ça prend temps comme ça. All right, so voilà, so c'est comme ça que ou ajouter produit dans Overlook fin installer comme extension là et puis qu'on est capable ajouter produit dans Overlook. So si me cliquer qu'on y a là sur sur produit, si m'a dans produit et puis me cliquer sur tes yeux ça hein automatiquement li menem nan page produit. Ah c'est page produit. OK, so nous capable voir un petit gens vraiment let kounya là on prend ça c'est juste et un dummy page que moi gagné juste créé là avec vieil email là so nous capable voir paraître un petit gens let comme ça. OK, so nous pral design ça, nous pral mettre ça très nice. So quand y a là l'office ou fin joindre produit ou make sure mettez tout produit en dedans. OK, on va le besoin quand y a là ajouter un thème pour website là. All right, so quand y a là qui thème n'a besoin pour Shopify. All right, so ça est très important dans Shopify. Gen thème qui gratis, gen thème qui payé. OK. Et si nous allons dans link ça nous tape Shopify themes. On clique sur Shopify themes. OK. Ouais. Ça c'est ça sont free themes que nous connait ça. Ou capable explore free themes. Mais tout ça c'est thème pour payer que yo. Regardez prix. Pendant ce temps, dans WordPress, vous ne pouvez même payer tout ça. Ouais, nous avons pris $300, $280, $350, $240. So, si vous avez un free theme, vous ne pouvez pas mettre en pile. À peine si vous mettez 6. Bon, moi, je retire Brooklyn. Ça, c'était un thème que moi, je mets en pile. Moi, je retire Brooklyn. Par contre, pour qui raison? OK, so, quand vous avez un Brooklyn, vous avez un thème. Clean thème. Nani, ça c'est best thème moi même. Il free, il pas gain aucun lot complication là-dedans et c'est lui même nous pas gain pour nous utiliser. Va montrer nous des mois. Un très 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 bel thème. OK. OK, et on capable choisir style que vous voulez, à playful ou bien classique. OK. Capable choisir ça comme ça. Ça belle tout même toujours utiliser terme qui classique là et ça que moi mets avec Brooklyn ou capable li fit dans téléphone très bien sauf que me pas mais genre j'ai fait
banner ça li prend tout espace ça. M'ta même que banner al tombe dans partie bouton là. OK? Mais quand même li c'est une pi bel thème que nous t'es capable d'utiliser dans Stone. OK? But après ça, tout l'autre thème que nous avons gardé yo, gens que nous disons, ou bien pour payer l'argent, gens que au capable là pour capable joindre thème ça. OK? So souvent mes thèmes ça qui gagne un bel design ça ou mettez comme dire pour capable joindre. Qui différence qui gagne entre free thème avec thème pour payer? Différence là c'est que thème payer a gagne plus comment t'es capable dire? Gagne plus flexibilité dans en termes de navigation et puis page produit, vous comprenez? Il y a un paquet d'autres features que vous n'avez pas besoin d'utiliser. Par exemple, ça sont upsells liés. Vous êtes capable de cliquer là pour capable acheter produit ça tout. So, y a bon produit et puis vous êtes capable de jouer l'autre produit pour upsell. Après ça, pas gagné encore. Même travail free thème n'a fait, c'est même travail thème payé à faire. Vous n'êtes pas obligé à dépenser un paquet de code dans thème payé pour capable faire un website. So, Trust Badge, nous pas besoin de Trust Badge parce que Trust Badge pas tellement et sous mon encore à la mode. Après ça, pas gagné en rien qui bagage. Mais on peut toujours aller pour un thème à payer. Mais même effet, même quoi vous faire avec un free thème, vous capable faire li avec thème pour payer à tout. OK? So, nous allons installer thème ça en dans shop nous. Avant même que nous installer là, nous garder thème que nous a besoin, ouais. Premier thème moyen c'est Brooklyn. Premier thème moyen c'est Brooklyn. OK? So, Brooklyn, après Brooklyn a besoin debut thème. On va aller là moi si taper debut thème. En plus, mon utilise debut thème, même pas tellement fanatique. Donc, mon utilise le debut thème, le free. Et yon gon en yon pour payer tout. En premium, ou capable acheter li. Mais qui se même bagay la, nous ka utilise debut à tout. Mais comme ça, tout nous ka utilise Brooklyn. Même c'est Brooklyn nan mwen net, Brooklyn nan c'est ça net. Pas de menti nan ça. Ok? Voilà, c'est comme ça m'ta un banner a toujours et taillé dans Brooklyn. OK? So, par exemple, on nous ka utiliser debut tout. OK? Nous gagne Brooklyn debut minimal là tout qui sont free thème. OK? Minimal. Ouais, son free thème que lié, ou capable utiliser li. On l'autre thème encore c'est Debutify. C'est un free theme ou capable d'utiliser free version et une version pour payer tout. OK? Theme pour payer, il y a motion. Il y a Shoptimize. Motion non, c'est ça net. Motion. Voilà, motion non, c'est ça net. OK? Bel bout de thème. Sous table payer $320. Ouais? Donc très très belle motion et dans WordPress ou capable faire ça à l'aise sans problème. OK? Sans problème. Ou pas même besoin et tout bagage ça. Ouais, nous capable voir ça là, j'en le paraît là. Moi mettre animation ça en bas là. Ouais. Pas mal. OK? Ouais. Pas mal. Ou ca créer ça tout dans WordPress à l'aise demain. OK? So c'est un thème préféré que lié les m'a acheté l'aime t'a acheté thème dans Shopify qu'on en bas dans Shopify encore. OK, tout ça au café dans WordPress. OK, deuxième thème que moi remè pour payer c'est Shopify Shoptimize de Beautify que nous té wè dans free version hein? Et de Beautify pour payer à tout. So tout thème ça yo gen un peu prestige là son loto. Allez, maman m'appelle. Bel bout de thème. OK. So, m'amge pour me faire une vidéo en WordPress pour montrer comment vous capable créer un store comme ça. Jean qui n'a pas regardé là. Car animation, tout genre animation en fait là, m'a montrer comment vous capable faire là WordPress tout. Capable design ça, redesigner, faire sembler même genre ça. OK. So,
a des pages produits. Aussi, pas rien qui différent par rapport à ça. OK? So, ça c'est tout thème ça que vous capable utiliser qui paye. Gain turbo thème, gain district, gain parallax et ça parallax là tout son l'autre belle bout thème tout, gain dans WordPress tout. OK. Belle bout thème. OK. Capable utiliser lito. OK, so ça c'était thème gratuit que vous capable utiliser, ça c'est thème payé que vous capable utiliser. OK, application ou besoin utiliser. Ou besoin utiliser abandonné. OK? Ou besoin clavio, ou besoin vital, ou besoin suite upsell. Suite upsell là c'est pour vouloir faire upsell. Ou besoin looks pour reviews. OK, et puis Oberlo que nous sommes installés à là. Chaque grain app ça yo gagne yon vidéo que nous ta capable faire avec yo. Clavio a pour email marketing son l'autre bagage lié. Vitals c'est toute app sur que ça dit tout app ça que nous là abandon 4 là Clavio tout l'autre bagage ça looks li mette yo en dedans yon seul app là. OK, so on connaît gagne qui pas dire ou a besoin utiliser SMS bon tant que j'en ai dropshipping yo dia ou pas besoin bagage ça surtout là tester produit parce que là commencer un Shopify business si c'est pas un brand que ou gagne déjà c'est juste dropshipping ou faire pour tester produit ou pas besoin bagage ça ou pas prendre faire email marketing ou pas besoin retarget une série de bagages ou juste besoin tester un produit pour elle marcher pour na sous elle marcher capable aller dans une autre phase pour faire retarget et puis qu'on y a là capable rentrer prendre store ça et pour build encore et puis qu'on y a là ou faire venir un brand mais là tester un produit pour essayer le marché c'est pas besoin toute pile application ça pour pas l'en payer par mois. OK, ou qu'à utiliser le plus souvent tout vital ça qui venir avec toute application yo en temps et yon seule application. OK, so c'était tout thème ça que nous pral utiliser. All right, so kounya la nous pral installer thème nan pour nous capable commencer design website là. Nous pas faire trop complication, nous pral aller dans online store là. OK, si nous cliquer sur petit G ça là, la permet nous voir website là. So nous ka wajan website là li semblé pour kounya la. Vraiment l'aide, li gen trois produits là. Vraiment let. So all right, nous pral design. OK, so nous pral installer un thème nan qui rele Brooklyn. OK, nous pral installer Brooklyn. Ça c'est thème qui que Shopify mette par défaut. OK, on va jam de compte thème ça. So anyway, on va utiliser. Nous pral ajouter un thème qui sorti directement dans Shopify. So là on ka sou gon custom theme, ta veut dire sou bay fond theme pour capable upload li là. Alright, nous parler dans explore free themes. Ouais, yo retire Brooklyn moi en partie ça. Te konjwenn Brooklyn dans la rapide. So konn la y a fait publicité pour un paquet l'autre vieux theme. Ou quoi pa ta ka prendre ni dans Shopify theme. Try team. On a là principalement de montrer URL Shopify moyen. So c'est URL ça m'a parlé nous, l'a créé dans Shopify, il créé par défaut, c'est non business one et puis point myshopify.com. OK, ça so m'a copier ça. On va aller là, m'a mettre là. Et login. OK, la adli. Kounya la nou pral wè Brooklyn nan la paret en bas la. OK, voilà, nou gen Brooklyn nan ki getan ajouté nan shop nou an. OK, so automatiquement n'ap voye Brooklyn nan live avant même que nou edit li. So nou clique sur action et puis nou fè publish. Et puis nou fè publish. OK, li publier kounya. So Brooklyn nan vin an lè la. So lò ale la kounya la nou refresh, ou apre li semblé yon lot bagay.
et puis voilà. C'est comme ça nous pral edit store nous avec thème Brooklyn. So qu'on y a là ou gagner produit ou get ajouté ou gagner et website thème là que nous get en mettez. So nous pral préparer page yo mettez là. OK, so nous besoin que page yo yo disponible. A fait logo on a venir sous lit tout à l'heure, nous pas besoin fatiguer nous ça. Nous besoin que page yo yo disponible dans pied website là. OK? So pour capable créer page, pour praler dans navigation. Et puis c'est là où pral mettre page. Ça c'est pour footer, ça c'est pour main menu. Main menu en cette tête là. OK? Tête là et puis footer là c'est pour pied. Pied là. OK? So nous pral gagner pour nous pour nous modifier ça comme ça là tout à l'heure comme ça. OK, bon, avant même que nous modifier, il faut que nous créer page yo d'abord. So, nous pour aller dans settings. OK, dans settings qu'on y a là, li ba ou yon bref détail de tout website là. Il va ou basic information website là, tout sorte mettre dans commencement yo adresse ou tout bagay ça yo. OK, là c'est quand on parle choisir plan. OK, ou a choisi un plan ou obligé choisir un plan avant même que vous commencez vendre, sinon pièce moun pas capable acheter dans store wa. OK, so là ou fait couvrir un website Shopify ba ou 14 jours pour commencer trial, so pour capable essayer, mais pendant 14 jours ça on mettre comme on va ka vendre rien là-dedans. Alright, ça c'est côté gain permission, ça c'est paiement, ça c'est check out. Quand on va activer paiement, ça c'est check out. OK, so vous capable mettre account optionals, phone number ou email. OK, vous capable mettre cocher ça tout, soit utiliser SMS bank, require first name and last name, company name optional ou bien don't include, address required, shipping address phone number required. OK, ou quitter ça comme ça. All right, ça c'est pour email marketing et pour faire save. Là on a besoin choisir langage pour mettre website toi dans checkout là. OK, et puis là fini ou juste faire save. All right, so shipping and delivery, c'est là où pas gain pour manage shipping là, n'a montre comment qu'on capable créer shipping là tout à l'heure comme ça. OK, tax and duties, ça c'est côté pour créer tax ou pour ajouter tout bagaille pour tax ou location, on pas sûr que vous mettez adresse business ou un. Et puis après ça, ça yo c'est l'autre bagaille que yo sell channel domain name. Kounya la pral gen pour connecter existing domain et moi c'est là ou pral gen pour connecter li. OK, après ça c'est notification. OK, langage policies. OK, c'est là ou pral créer page par défaut que Shopify kon mette pour capable mettre comme privacy policy, refund policy et tout l'autre bagay ça. So ou just cliquer sur create from template ou bien tout comme ça tout capable mettre propre texte par ou en dans ça, copier l'un côté pour paste là, ou bien create from template et puis là créer un paquet de bon refund policy pour. OK, all right, so ou capable en ouvert shop là non l'autre. OK, en ouvert shop là non l'autre page. On va créer page là. All right. So, n'a prend partie ça yo, n'a copier yo, nous pas le mettre yo dans page là. So, pour capable créer une page qu'on y a là. Pour capable créer une page, ou pour aller dans online store, ou cliquer sur pages. All right? So c'est là toute page yo pral paraît. Par défaut, créer une page contact pour vous et puis créer une page différente. So, nous pral dire tout
n'a pour recommencer à zéro pour montrer surtout sur surtout pour page contact là pour montrer comment que vous capable créer. OK? So, n'a appliquer sur add page et puis nous relayer ça home. Nous quitter sur default, OK? Nous faire full width ou bien quitter sur default. Nous quitter le genre ça est ça c'est search engine là. Ça que moi même avec Shopify li gagnen SEO a tout intégré là-dedans. Là c'est quand on va modifier search engine. On doit mettre non store là par exemple comment store relé. Bah oui. Tire et puis home. Et puis là on capable mettre un short description. All right. Link on capable modifier link là, on capable mettre link pop. OK. Et puis vous faites save pour créer home nan là. De même tout pour faire pour tout l'autre, capable create another page ou bien ou capable duplicate li. OK? Nous cliquer sur duplicate pour plus facile, ça nous crée nous le about. About us. OK, et puis en dedans là ou taper about also et puis toujours songer modifier titre yo SEO yo. OK, et puis là on met un short description de about là. Le plus souvent ça qui va paraître là tout c'est lui même tout qui apparaît en bas là tout. OK, quitter sur default. All right. Et pour faire save. So, on va faire de même pour toute l'autre page. OK? Mais pour page que nous sommes créé là, Refund Policy, nous allons aller là. Nous allons copier Refund Policy ça. Nous allons créer une page. Dupliquer. Nous allons pester là et faire dupliquer. OK. Ou oh, juste juste en description qu'on ça mette mais ou même moi gagne pour mettre propre description par et puis toujours modifier SEO. OK, et pour faire save. So nous va créer toute notre page qu'on est là on va aller là on va copier et refond par ici ça c'est faire contrôle alt sélectionner tout et pour faire clic droit copier pour aller là et puis ou sélectionner ça ou faire paste pour faire save. Alright. So, kounya si nous garder page là, ouais, mais comment refund parler si nous en li paraît. OK? Voilà, so nous va créer toute l'autre page et puis n'a capable tourner après vidéo. OK, so qu'on a là pour shipping and delivery, il y a pas ba nous un template ou capable mettre propre template par. OK, but n'a still créer une page pour lui et puis nous même nous capable n'a connait pour nous mettre propre un mot pan. OK, so shipping policy, shipping on va mettre shipping and return. All
OK, on va aller là. Parce qu'on va bien pour retirer tout ça, yo. Là, on va mettre shipping and return description pour shipping and return. OK, puis fait save. So, voilà, nous gagnons toute page qu'on y a là dans website là. Nous gagnons près de 6 pages. Tant website ou a gagné page là-dedans, c'est tant qu'on a besoin de créer page pour website ou. So, nous quittons li avec 6 ça qu'on y a là. So, si nous refresh ça là, nous pouvons contact plan li par là, tout le bagage ça ressorti, mais nous gagnons home page qui est toujours là. So, nous pouvons créer contact plan qu'on y a. Je vais montrer nous comment qu'on est capable de créer contact là. Lorsque créer contact plan, nous, par rapport avec ça, nous quittons par défaut. Right? Mais lorsque créer contact là, on nous clique sur add page, on va laisser ça contact us. Right? So là, on est capable de mettre description de contact. Ok? So, m juste mettre un bagage comme ça quelque part. Pour capable mettre image dans tête là tout si vous voulez. Bon, nous quitter comme ça. Et pour edit SEO, il tout fait pour. Bon, that's it. Ouais, on mettre un website ou un. Voilà. Kounya là, l'on fin fait tout bagay sa yo, nan parti kote marqué thème template là, wap besoin kocheté ti kal sa ki marqué contact là. OK? So sou pa mete contact là, an pran exemple si m kite l par défaut, mwen fè save. So lèm fè view page, nou jan l paret, li paret tankou son page. Right? But lèm ale la kounya la mwen kocheté ti kal contact là et puis mwen fè save. Lèm refresh li, wè, li ba yon form koun yan la, kote ke moun nan kapap tape non, moun nan apatre email li, numéro telefon li, et puis mesaj lan, li kapap fè send. Ok? So, se diferan sa ki gen an page kontak la avèk lot page yo. So, koun yan la nou pral mette page yo nan website la. Ki page nan bezwen nan tèt website la? Nou toujou kite li home, katalog la, et puis kontak. Ok? E an ba la m toujou mette tout lot page yo la dan. OK? So nou pral aller nan navigation tête la la main menu an ap modifye, n ap clique sur main menu. Nou li avec home déjà, li avec catalogue, n ap ajouter contact pos la, add menu item, et fin kapab tape contact pos. Ou bien tout, ou kapab clique là et pour choisir pages et pour choisir contact us là là et puis là tout projeter pour faire add. Right? So là nous fait save menu. Nous va refresh. Voilà, ouais, contact us là getan paraît en l'air là. OK? So, nous va ajouter l'autre page qu'on a en bas là dans pied là. En bas là dans pied qui ça toujours besoin. Nous besoin store information et puis l'autre reste page. Simple. Nous allons dans navigation toujours. Nous cliquons fois ça dans footer menu. Et puis là, nous ajouter ça que nous besoin. Delete là, search là, bon, delete là. Add menu. OK. Pages. Nous allons toujours mettre about us. Add. Add menu. Et nous ka mette tout et puis nous modifier après. Paquet travail hein. Et ça me parle mais avec Shopify, dans Shopify obligé faire tout grain par grain. Maintenant WordPress il tape tout monter à toute page pour.
Et puis tu as juste modifié le texte seulement. Ok. Et puis on fait save menu. Ok, donc on est là, nous refresh, ouais. Toute page yo paraît dans pied à la. That's it. So, powered by Shopify là, longtemps te qu'on retire li, mais nous venons réaliser que avec un pile en évolution que powered by Shopify là permet que un pile moun chos en fait website en confiance. So, nous quitter li comme ça la dan. Ok. So ça c'était et footer kounya la. OK, so nous gétan gen tête website nous fait, nous gen pied website nous fait. All right, so kounya la nous pral design website ça. Montrer nous comment pour créer page, montrer comment pour nous ajouter page yo dans navigation et montrer nous kounya la comment que ou capable ajouter thème. So kounya nous pral montrer comment que ou capable edit thème ça kounya la. OK, so nous pral aller dans themes en downline store, na cliquer sur customize. OK, customize. Donc nous a website la li semble à ta nous pral bien design. All right, so là c'est côté que on pral modifier thème website ou tête là là toujours met ton petit message. OK, là yo capable jouer avec yo collection yo ou changer yo ou draguer yo koto vle a. Ça c'est pour slide yo. OK, mais comme d'habitude toujours quitter yon seul slide. Sou pas besoin slide ou just cocher tout sous TGA ou cacher. So kounya wè li gen seul. Mais là, li te gen deux. OK? Te gen deux. Mais toujours quitter un seul. All right? So là c'est juste texte que on pral gagner pour mettre à. Qui j'aime toujours construire website moi. Website moi toujours mettre dans home page en bas mettre en pile produit, toujours mettre banner a, yon petit about dans mi-temps et puis en bas net toujours mettre feature produit a. So tout collection ça yo pas même besoin yo. Surtout là faire dropshipping. Produit que m'a testé à mettre là-dedans. OK? So ça yo nous pral retirer, nous pral modifier, mais n'a quitter ça seulement. OK, rich text ça c'est lui même qui ti parti ça là. L'autre cliquer sur lui, ouais, l'autre fermer TGA li sorti, l'autre activer li paraît, c'est lui même ou capable mettre yon short about section. OK, ou est qu'on short description de about toi de business ou OK, so c'est là où modifier li. So tout ça on pas besoin ça collection list ça me retirer li feature collection on pas besoin du tout et puis m'a besoin ça seulement. So newsletters là on besoin tout quitter li. Sous besoin ajouter plus section ou capable cliquer sur add section et puis capable choisir collection que ou même ou voulez. OK, capable ajouter l'autre section que vous voulez. Alright, nous pas besoin rien plus que ça que nous gagnons dans home page là seulement toi ça. OK, so pour feature product là ou mettez produit que ou vendre produit que ou tarin même monde acheter. OK, là cliquer sur lui là li bon côté que capable sélectionner produit là si vous voulez ajouter vendeur qui c'est dans website ou vous voulez. Alright, ou capable enable video looping. Nous pas besoin tout bail ça, on a juste choisi nos produits pour nous mettre dans fond produit que n'a vendre par exemple. OK, on choisit ça, hein, ou bien on capable choisir ça ou bien on choisit ça. OK, on nous quitte le sous ça de préférence. All right, et puis kounya là on fait select et puis on fait save. Then aller dans home page là kounya là
nous kawe li vin genyen yon lot imaj, ok? Nous genyen yon lot imaj de website la. Alright, so kounya la an nou modifye lot parti ki important nan website yo. Anons maintenant là, on a besoin de changer li. OK. On a changé annonce maintenant. Home header là, c'est parti logo côté que vous pas besoin mettre logo. Pas besoin d'un logo. Logo simples. So, on te montre nous comment que vous capable créer logo. Allez dans website moi yo et puis nous capable voir li. Free logo samples. Après quoi même te montrer nous pour nous créer un logo. Bon, je vais dire ça. Mettre ça là. OK. En prétendant ça c'est logo là ou a besoin ni. OK, pour mettre li nan website là. Là on sélectionné logo là. All right. Voilà. Ou capable utiliser un logo qui gen fond en transparent. Comment aller dans remove that bg. En façon pour fond en pas gagner partie blanche ça là dans nous fait download. Aller là moi upload li. Et puis me fait select. Ou capable agrandir size logo a, si vous voulez, ou capable changer là, ou capable retirer li si vous voulez tout, capable faire ça vous voulez avec li. Alright? So, pour transparent, ou capable mettre un lot, ou capable mettre ça. Non, on change li, mettez même là. OK? Et puis là, on capable modifier navigation, on capable changer announcement bar là tout. Announcement ça c'est ça que on capable mettre dans website là depuis mon paraît, on capable voir, on capable mettre free track shipping worldwide. Moi même petit emoji, on toujours utiliser un petit emoji avant. OK, là comme ça. Free track shipping worldwide. Et pour songer faire save. Now low refresh. Vous supposez well paraît en l'air là, OK? So, gain logo là qui bien chita et puis tout à fort bien posé. Right? Then aller dans téléphone. Nous mais qui j'en lis, il pral paraît. So, ça qui plus important c'est dans téléphone. Parce que plus fort trafic que c'est dans téléphone que y a sorti. Nous pas bien pour nous modifier tout ça, on pas fatigué. Alright? So, voilà, c'est ça que moi toujours quitter pour home page moi. Kounya a là, nous besoin yon bagay nan banner. Par exemple, si c'est pour cuisine, m'a vendre, je dois aller là, moi choisir yon banner qui gagne en image comme tu capable dire cuisine là-dedans. Nous pas aller nan Pexels. Un website qui est le pexels.com. Et puis là, on est capable de taper la catégorie que vous avez là-dedans. C'est un point kitchen. OK. On a besoin d'un paquet de belles images de très grande qualité que vous êtes capable d'utiliser gratis sans qu'elle saute. OK. Si on tape kitchen knife. OK, non, hein? Voilà. Ce produit a c'est un ciseau. Yep, on a les pour moi kitchen scissors.
Nous qu'a choisi ça. Yep, c'est nous qui a choisi lui. Nous qu'a choisi n'importe l'autre qui gagne rapport à cuisine tout. Alright, so cliquez sur free download et puis voilà. Ou bien tout comme ça, tout qu'a choisi n'importe l'autre image. Il pas obligé image pour Dieu. Il a droit n'importe l'autre image. Ok. Capable pour Kitchen Chef. Choisis n'importe image. Hein, capable de choisir ça. Save lui. Et puis qu'on a là où aller dans Shopify. Ou aller dans la partie ça là qui c'est slide là, on clique sur lui et pour faire select image upload lui. OK, ouais, ça qui me paraît ma Shopify là, la mettez banner pour lui choisir le genre. Mais dans WordPress, ou capable draguer un petit bouton et puis vous mettez le centré côté que vous voulez. Mais ça a listé le bon tout parce que vous n'avez pas besoin d'image pour apparaître, vous avez besoin de faire paraître l'activité que l'app fait. Pour capable sélectionner le qui est comme ça, bon, moi, si je choisis knife là, au lieu de me dire JPEG, oui. Oh, il est trop lourd. En tout cas, nous quittons sous ça et puis nous faisons select. OK, et puis nous faisons save. Ou capable de mettre opacity, ou voulez s'ouvrir le paraître, ou pas tellement paraître, ou capable de modifier opacity en là. OK. Ouais, là, il paraît net, là, il paraît moins. Hein? Voilà. Bon, c'est ça, il est vraiment belle comme ça. OK, fais save. Et puis là, refresh. Voilà. So, ou gen website tout qui commence à gon on visage, on l'autre visage. All right? So, ou capable permettre que li nan center ou bien left ou bien right. OK. Ça c'est pour petit texte dans mi-temps, nous toujours qui nous quitter le center. Après ça, ou capable changer heading là, ou mettre un texte par exemple. Best Kitchen. La tête là, on capable mettre en juste introduction. OK, et puis capable changer bouton là shop now, sauf que nous shop now là pas paraître, c'est parce que pas gon link là dedans. Mais on capable aller dans store et pour cliquer sur produit là, full details, pour copier link là. OK, link là long produit que vous avez besoin et pour aller dans le shop là ou Pesli là. Ou bien choisir produit. Voilà. Et puis on a un après, bouton shop là, la palette. Vous êtes capable de faire la couleur, qui est le black. Ok, vous êtes capable de faire le blanc tout si vous voulez. Donc vous voulez là. C'est le black. Alright. C'est le blanc et puis qui est le texte noir. Voilà. Voilà. So, what do you mean bouton en black plan? Et puis label là blanc. OK? Mais toujours songez ça que me te dit nous dans vidéo que nous te fait avant. Lorsque on website, on besoin trois couleurs seulement. Besoin black, white
et puis couleur brun noir. OK? So ou besoin noir, blanc et puis couleur brun noir. Tête la là, tu es supposé changer couleur à tout. OK? Couleur bas là supposé noir, on met le noir, complet et noir ou bien on te quand mettre couleur brun noir si vous voulez. All right? Entre par exemple, ça c'est couleur brun noir. Puis mettre couleur brun là. Et puis là, nous te capable aller dans slide là. Nous mettez bouton à même couleur brun là tout. OK? Et puis on fait save. All right? So nous capable voir website là, li ton l'autre couleur, on l'autre aspect qu'on y a là. So c'est comme ça au design website tout. Et si on aller dans téléphone, voilà, nous capable voir qui gens li paraît dans téléphone. Dans téléphone c'est perfect. All right? So that's it. Nous gétan gen produit nous gétan créer home page nous pa gen rien konn pa le faire. OK? So ken a gen pou ne dit titre là, titre vidéo et titre produit yo et puis description yo tout ça. N'ap gétan fait ça nan yon l'autre vidéo. Même te plus vle montrer nous comment que capable design website. C'est seulement ça ou besoin konnen. Mais description yo c'est ou pral écrire description, c'est ou pral konn comment pour mettre à faire pa. OK? So that's it. Nous getan gen tout à fait nous et puis nous good to go. All right? Mais kounya si m'te besoin fond slide, m'ta pas obligé activer ça kounya là et puis là m'ta pral ajouter yon lot image. Par exemple, si m'ale m'pon lot image. Nous prend ça, download. Voilà. Kounya la n'ap genyen yon animation nan tèt la la. Hein? Allez. Pat n toujou kite li avèk yon sèl la. OK. Donc kounya la sou vle auto rotate slide la fèl pou kont li. Ap slide li pou kont li sans que ou pa touche li. Allez. OK. What on toujours quitter li avec yon seul là. That's it. Right? So, ça c'est façon ça que ou capable modifier design website. Ou pas besoin rien encore genre comme toujours dire. Tout ça seulement ou besoin pour homepage là. All right? Nan garder nan mobile, mais nan téléphone men. C'est ça besoin. Ou pas besoin rien encore. Alright. So kounya la, comment que vous capable modifier un produit au kounya? Vous êtes capable modifier dans Obello avant même que vous transportez yo, mais moi-même toujours aimer modifier yo en dans shop là. Alright, ou pas besoin un titre qui long, ou juste besoin un titre qui très court qui capable expliquer ça produit à lui-même il fait. Par exemple, electric kitchen chopper garlic masher. Hein? Trois mots. Nous allons choisir rechargeable. Electric kitchen. Garlic chopper. Et nous dit electric ça. OK. Là, c'est. On peut faire tout ça. On va mettre description. Description produit à ou capable quitter image shift from ça ou a besoin de retirer les ou cliquer sur edit et pour dire les prix. OK, là ou capable modifier prix ou mettez prix par ou. OK, et puis vous faire save. Voilà, yep. On a l'aime cliquer sur preview. Hein? Il vient gagner un autre aspect qu'on a. OK?
dans le téléphone, il vient gagner qu'on y a là un autre aspect. On est capable de choisir. That's all you need. Pas besoin rien encore. C'est tester, on tester produit, pas besoin rien encore. OK? So on a fait pour l'autre produit yo. Spécialement produit n'a bon là. Forkwood stainless steel. Gym scissors. Ouais, on dit avec ça. Action. Vous pouvez pas ajouter image dans la description si vous voulez. Vous juste cliquez là. Et puis upload file. Ou capable mettre image ça, mais évitez mettre trop image qui capable en slow en website toi. OK, insert image ou center li. Et puis là on mettez description. Ouais, pas quelque dans mes textes. Pour faire save. Dans les malins dans home page là, on a pu gagner une autre image, ouais, paraître en petit genre. Puis normal, faut cliquer sur full detail, ouais, là-bas où description, ouais, là où mettez les produits, là où capable mettre image que vous voulez tout. Alright, so voilà. C'est comme ça ou en modifier titre et n'importe qui j'en parle dans le téléphone. Très nice. Alright. Mais t'as des mon abdi l'autre bagaille, pas besoin rien encore. Voilà. Rien encore. So, image ça, m'bral montrer nous comment qu'on capable modifier li. OK. Image produit, à qui j'en modifier ça. Par défaut, au bello qu'on voit image ça. Comme ça tout qu'on choisit, ou ka draguer ou changer, comme ça tout ou ka edit image là. OK, pour edit image là ou cliquer sur lui. All right, ou capable crop li là, ou capable et mettre l'autre image sur lui, ou capable resize li là, ou capable ajouter texte sur lui. All right, nous songe longtemps au bello te gagné un côté que au capable cliquer sur lui et puis ou modifier lui. Bon, en tout cas, il retire lui. Même songe un côté capable cliquer et puis ou juste capable effacer quelque bagaille là-dedans. C'est ça que fait moi mais en WordPress gagne tout bagaille ça là-dedans. OK? So, mon capable mettre ça comme image devant et puis m'effacer ça puisque il gagne logo là-dedans. Yeah, just delete. OK. So, nous retirer ça. Right. Et puis nous faire save. Right. So, qu'on y a là, puisque m'te retiré ship from là, grand pile bagay qui changer là dedans, nous doit changer quantité. Et puis on fait save. Alright. Yep. Là, on est capable de modifier SEO parce que description ça est trop. OK, on est capable de retirer un peu là-dedans. Juste petite tête là, on a besoin que monde capable voir seulement. All right. Et puis voilà. OK.
ou gagner tout affaire ou bien parler. So, c'est comme ça que vous capable modifier titre là. Bon, qu'on y a là, qu'est-ce qui est les collections? Ou besoin créer collection. Mais collection, hein, pour ne qu'à faire dropshipping n'est pas tellement important. Parce qu'on a gagné catalogue là qui paraît. Catalogue là, c'est lui-même qui bail tout produit que vous gagnez. OK? Ou capable de mettre tout produit qui gagne dans le catalogue ça en l'air. Sauf que nous capable de changer le type de catalogue ça que le bail là. Nous pouvons aller là dans online, navigation, et puis footer menu, main menu, nous modifier catalogue là. OK? Nous mettons all products. Ouais, li sous all products. OK? Nous mettons pour tout produit. Oui. Sauf que m'parait, mais j'en forme n'a pas arrêté là. Mais en tout cas, login plus produit, la paraît un petit genre différent passé. So, c'est là où j'en tout produit dans le catalogue là. Qui sont besoin de faire encore? Pas besoin de pile l'autre bagage, pas besoin de pile l'autre page. Vous capable de créer le souvelé. OK? Vous pouvez aller dans products et pour créer collections. Là, c'est que vous capable de créer collections. Ça, c'est pour home page. Vous capable de créer une collection, vous le kitchen. Ou quitte le sous, nous toujours quitte le sous manual, ouais, ou le qui automate, ok? Parce que manuel là, il permet que m'ajoute produit aussi, mais l'automate là, il a juste déterminé li, et pour pouvoir mettre un paquet de règles avec exception, un paquet de conditions. Donc, quitte le sous manuel, pour capable mettre une image, si vous voulez, nous toujours quitte le conseil, et puis me faire save. Pour capable mettre une description tout, ouais? Kitchen, create un lot. Nous avons le dining. Ok, save. Quand on a fait créer collection, ça y est, ou capable d'aller dans online store, ou aller dans navigation, dans main menu, et pour mettre en l'air tout si vous voulez. Ou aller, quand on a cliqué là dans collections, et pour mettre kitchen dans là. Kitchen dans, t'as supposé paraître là. Ok, bon, refreshing. Bon, moi elle pas paraître. OK, mais elle t'a supposé paraître là pour capable save lui. All right? Et puis comme ça tout pour elle paraître en layer là, ouais. All collections. Mais comme ça tout catalogue là c'est toujours même bagaille là. Collection sans les bas aux collections seulement, mais catalogue là ou capable mettre pour produit seulement. All right? So, moi même toujours quitter ça seulement. That's it. Trop complication. Plus simple que capable c'est pi bon la pi bon pour. All right? So, c'est comme ça que vous créez collection dans dans store. All right? So, l'offre une créer collection, hein, ou capable aller dans produit, hein, ou bien l'offre ajouter produit, hein. Vous capable ajouter produit à tel type de collection. Cliquez sur produit, hein. Et puis dans la partie ça en bas là, hein, on capable mettre tag et collection, on capable choisir collection en kitchen, et puis là on capable mettre tag, n'importe tag qui a rapport avec kitchen ou type de produit ça yo paraît là-dedans, et pour faire save. OK, so produit ça qu'on a là dans collection kitchen. All right? So, pas gagné encore. Website ou get un design ou ajouter produit ou website ou live. So, kounya là ou besoin fin configurer rest setting qui nan website ou. So, j'en kem toujours dit nous, l'op fait dropshipping ou pas besoin trop complications là-dedans. Ou besoin website qui simple et qui capable juste attirer client en produit description. Et toujours dit nous ça, website pas jouer en pile rôle dans marketing. 20% c'est produit, 80% c'est marketing. C'est gens que on va faire marketing pour produire. OK? So qu'on a là besoin mettre shipping. On besoin mettre en payment méthode. OK?
pour capable modifier shipping là on va aller dans shipping and delivery on clique sur manage rate OK so par défaut il crée rate ça pour ou a besoin free shipping là et puis ça ou pas besoin select yo OK et pour juste quitter le free shipping all right ou quitter le free shipping mais minimum price a gagné à 50 ou capable quitter le no minimum price done all right ou capable changer et titre là tout comprend ou capable ajouter un autre rate là ou capable mettre et insured nous toujours mettre un autre shipping pour capable faire un petit cob en plus insured shipping okay. Mettez conditions si vous voulez all right vous mettez price là 999 ça veut dire depuis mon ouéli la poêle que produit ça il gagne assurance sur lui même le lot gagne assurance tout OK c'est deux shipping options ça que vous avez besoin et puis pour rest of the world pas besoin ça yo pas besoin mettre free shipping que ou te gagné et déjà OK ou mettre worldwide ou mettre qui carrière ou voulez ou bien mettre on rate capable mettre free worldwide et pour quitter le zéro et pour faire done for the rest of the world et puis save that's it et tout ça que ou besoin seulement pour shipping et shipping là il y a appliqué sur tout produit que ou gagné dans store OK pas besoin mettre payment méthode ou faut activer Shopify payment là faut compléter account là pour capable gagner un payment méthode activé ou pas besoin Amazon ou capable ajouter Stripe là-dedans on va montrer l'option ça parce que son hack que lié all right ou quitter là avec Shopify payment là ou comme comme Shopify prend sur vous ou fait complete account setup il va demander rentrer téléphone nous toute information ou second IAN number la mande rentrer li OK ou a besoin rentrer toute information ça ou a besoin ton description industrie que ou travaille là dedans quitter le comme ça store type ouais et pour mettre en description et pour faire continue account setup ou a besoin d'entrée social ou a besoin d'entrée tout bagage ça pour capable activer payment méthode là ça on pas besoin faire tout bagage ça ouais that's it c'est tout ça là c'est côté que on peut connecter domain name ou capable acheter un domain name dans Shopify on dit ba moi les store de kitchenchef.com ou elle pas disponible bon mettons SDL pas disponible on mettait des baisses comme d'habitude domaine n'est pas ta supposé long comme ça mais pour me capable faire dans ça et m'a montrer nous et comment que capable mettre là ou capable acheter les so 14 dollars par année ça pas mal moi connais l'autre qu'on n'importe 22 ouais 26 91 dollars so ça 14 dollars par année ou capable acheter les mais si vous gagnez une dehors ou capable connecter les là dedans ou juste rentrer domaine name dans là et puis là ou suivre process pour capable connecter domaine name dans là dedans so en gros c'est ça je pense store nous getan design ou pas un trop design que vous avez fait par rapport à Shopify par rapport avec WordPress OK son produit que vous pouvez tester pour commencer à attirer trafic ou permettre que tout bouton yo activer l'on moun ajouter le sous carte pour la aller dans carte so c'est là activer compte ou capable bien accès avec bagage ça all right but avant même que vous allez bon montre côté que vous capable retirer code là dans website tout. Songez mettre currency dans pays que vous travaillez là si c'est au Brésil ou a besoin mettre currency l'argent que Brésil utilise ya. OK vous pouvez aller dans plan plan c'est côté vous choisir plan pour capable activer et store là pour store là capable live OK vous capable choisir plan là
OK, ou capable automatiquement choisir plan et puis ou capable payer ensemble avec lui. Alright. So qu'on est là pour capable automatiquement fin choisir plan, ou a gagne un code que Shopify met dans website là. Par exemple, si me copier link ça, link shop là. Alright. On copie le link shop là. Si je vais dans incognito mode, ouais, il y a un code. Il y a un code qui paraît la dernière. So, il faut que vous ayez un code là pour capable voir live, un password. Ok? So, automatiquement acheter plan, il faut retirer le code là la dernière. Vous pouvez aller dans online store, vous pouvez aller dans preferences. OK, on a besoin rentrer description store là. Là yo, on a besoin rentrer home page title, on a besoin rentrer description yo. Ça c'est logo apparaît là. Google Analytics, on a besoin code dans Google Analytics pour connecter là dedans. N'a font l'autre vidéo sur ça. Là c'est là pour commencer créer advertisement, à Facebook publicité, on a besoin setup Facebook ou. Et puis main code là que ou on capable désactiver ça. So, ouais. Pour me capable website là m'obligé gain code ça si m'aller dans même link là encore m'a fait paste et puis m'a rentré code là m'aller là m'copier code là m'a paste li m'a capable restore OK même pas capable acheter là dedans OK so faut que paye plan d'abord pour capable désactiver, décocher et code ça là-dedans. Alright? So, c'est comme ça. En gros, c'est ça. Je pense que je ne vais pas les vidéos ça trop long. C'est seulement ça que j'ai besoin pour capable créer un Shopify store. Je pense que dans l'autre vidéo, je suis capable de faire une vidéo seulement complète dans le design website. Je pense que je suis capable d'utiliser un premium thème que j'ai acheté. OK, nous capable faire une plus belle vidéo dans ça. Nous dit tout le monde merci parce que tu regardes vidéo, merci parce que pour le partager vidéo, merci parce que abonné avec channel là. Je que nous toujours dit, on toujours joindre une vidéo dans channel ça pour apprendre chaque jour bon Dieu mettez. Merci parce que pour le partager li, merci parce que supporter channel là, c'était avec vous Patrice, n'a pour être dans une prochaine vidéo.